Salut tout le monde, c'est Largbon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ainity pour une vidéo survie en survie modded like. Donc c'est-à-dire un plugin qui ressemble à un mod en fait dans ses fonctionnalités et tout ça. Donc avant de vous présenter le plugin et tout, on va aller sur le serveur qui est le Bordelic. Vous l'avez soit en cliquant droit sur le PNJ, clic gauche ça marche pas, soit la boussole et puis la TNT. On va sans doute changer le nom parce que c'était le bordélique au début, vu que c'était de la survie normale et que c'était le bordel, je mettais n'importe quoi, je mettais tous mes plugins de test dessus. Mais vu que maintenant ça a dérivé vers un faction, ouais, c'est le bordel quand même. Vu que maintenant ça a dérivé vers un faction, bah du coup on va peut-être pas l'appeler bordélique. Voilà, on va changer le nom. Sachant que ça a été demandé. Donc là, vous arrivez, vous avez un guide normalement. Si vous le perdez ou si vous l'avez pas, vous faites la commande slash sf guide, ce qui vous permet d'en récupérer un. Donc là, bon, moi j'en ai un, parce que bon, je me clear, vous chopez, mais du coup, vous allez le jeter dans la lave si vous en avez pris deux en trop. Voilà. Donc là, on a notre guide. On fait clic droit avec. Clic gauche, ça fonctionne pas. Donc voilà. Et là, on a tout un inventaire. Donc voilà, on a plein de choses. Plein de choses, juste Ainity, essaie de pas cliquer dessus pour le moment, c'est un truc de test et ça fonctionne pas apparemment. Voilà, donc c'est pour réparer les items de Slime Fun du plugin en gros. Donc c'est Slime Fun le plugin pour réparer les items parce que sinon ils font que on peut pas les réparer dans une enclume normale. Mais du coup, pour le moment, regardez juste pas celui-là, regardez les autres, on dira dès que ça sera ok. Enfin, je vous le dirai en vidéo de toute façon. Voilà, donc. Donc on peut prendre un peu de bois. Et d'ailleurs du coup il y a Greenberry bah, qui est terminé. Puis j'ai pas trouvé d'idée pour quoi faire pour le dernier épisode. Je voulais pas finir sur un épisode normal ni un épisode game mode 1 où je faisais tout péter. Donc voilà, ni sur un épisode où je mettais une trace de moi, une trace de mon passage non plus. Donc voilà, je voulais pas tellement faire d'épisode dessus. J'avais des idées mais. Ça ne tentait pas tellement, donc je préférais plus l'annoncer dans cette vidéo-là qu'il n'y a plus le Greenberry. Comme ça, voilà, je vous montre un autre survie avec en plus ce petit plugin et puis d'autres plugins ici, dont en plugin intéressant, bon, on a Discord Link pour le serveur forcément. Bon, vous le connaissez pas, mais je vous montrer très bientôt à quoi il sert. Sinon, allez voir sur le Discord, vous verrez. On a Better Shares, Holographic Displays, enfin ça c'est peut-être pas pour vous, c'est juste pour nous pour en créer. Locket, World Guard et tout, enfin World Guard ça c'est pour les OP. Il y en a, bon il y en a quelques-uns, du coup il y a Crazy Auctions, Hotbar Pets, du coup ça c'est un ajout de Slime Fun, donc c'est le premier qu'on a mis. Qui est du coup là-dedans, c'est un item, donc ça c'est comme un autre ajout, mais ça c'est nous qui l'avons fait. C'est Dark Scientist qui l'a fait, qui est en train de le faire d'ailleurs. Il a juste fait l'apparence pour le moment, donc comme j'ai dit, ne cliquez pas encore dessus. Sinon, vous risquez d'avoir les problèmes qu'ils ont eu les autres à perdre leurs objets si vous prenez cet item-là. Donc voilà, donc Hotbar Pets. Donc là, c'est des pets qui vont permettre de rajouter des effets là dès qu'on va les avoir sur nous. Bon, je vais en prendre aucun pour le moment. On va commencer juste à essayer de faire la machine de base qui est. Hop, celle-là, donc un dispenser, donc ça montre le craft aussi, avec une table de craft, donc ça montre aussi le craft, voilà. Donc un dispenser avec un arc, une redstone et tout, bon ça on le verra pas forcément au premier épisode, mais on pourra le faire en à peine 2-3 épisodes sans doute. Donc là, vu qu'en plus ça va être la nuit, je pense que je vais devoir me grouiller avec, le bois quoi, sinon je vais me faire attaquer par les monstres. Je crois que ça ajoute pas de monstres en plus dans ces versions-là, mais il y a des add-ons pour ajouter des monstres. On les met pas pour le moment tous en même temps déjà, parce que ce sera bon, ce sera pour vous, vous allez rien comprendre déjà vu qu'il y aura beaucoup trop de trucs. Déjà que le plugin est complexe pour ceux qui connaissent pas le plugin de base, sachant que là voilà, hop, c'est ici multi-bloc. Je vous montrerai comment c'est en fait, c'est pas un truc de table de craft ou des trucs du genre, je vous montrerai en tout cas. Donc voilà, donc on est parti pour l'aventure. Une outro un peu trop longue quand même. Bon.
Alors voilà, donc là on se prend un peu de bois, hop, l'établi, voilà, hop, ici, on va se faire une pioche en bois, voilà, une pioche en bois, donc ça va rajouter plein d'items, et du coup ça va pas s'arrêter dès qu'on aura battu l'Underdrago, voilà, donc ça sera plutôt cool, parce que sinon après faut trouver de l'occupation après avoir battu l'Underdrago, donc... Ça, déjà qu'on bat, enfin on le trouve pas forcément hyper lentement, voilà. Donc voilà, donc on peut redescendre et hop, on prend un petit peu de pierre. 5, je pense. 5 pierres, ouais, comme ça on aura l'épée aussi. Voilà. 5 pierres. On a un peu de pierre. On peut se faire un four. Voilà, on a un four. Ensuite, on le pose, voilà, on le pose. Charbon de bois pour moi. Voilà. Un charbon de bois. Ok, je sais pas si on peut faire plus. Mais du coup, voilà. Pour le moment, un charbon de bois. Donc là, on est à quelle hauteur? 59. On va redescendre. Voilà, on descend jusqu'à la couche 11, il me semble. Ouais. La couche 11, voilà. Comme ça, on va pouvoir se prendre de la redstone pour la première machine, en fait. Et puis du fer aussi pour le stuff. Parce que il y a quand même les pets. Bon, il y a des pets. Enfin, non, en vrai, les pets, il y en a qui sont embêtants. Mais je crois qu'on a le choix de les prendre ou pas. Donc en soi, on les prend pas. Et puis voilà, c'est pas embêtant. Sauf si on a envie de débloquer tous les pets et qu'on se lance ce défi-là. Voilà. Après, c'est comme vous le sentez et comme je le sens. Donc, hop, on redescend tout en bas. On va bientôt plus avoir de bouffe. Faudra aller chercher les cochons là-haut. Il y a un cochon juste en haut, donc autant se faire plaisir avec. Voilà, et là on peut remonter. Ok. Donc, putain, en vrai c'est galère. Donc, je vais, voilà, je vais, hop, chaque bloc comme ça. On va faire ça. Voilà, ça c'est mieux. Parce que là, ça libère le passage. Et on va mieux pouvoir descendre, pas comme les autres fois par exemple. Voilà, ça va être bien bien mieux. Voilà, hop, hop, merde. Hop, on a notre escalier magnifique. Et voilà, enfin magnifique, c'est à voir quand même la déco, mais c'est pas de déco en vrai, donc ça peut pas être magnifique. Donc, charbon de bois, on se fait peut-être des torches. Donc, ok. Ouais. Ah. Bon, ok, j'arrive pas à déposer juste un seul bout. C'est peut-être un bug du four. Je sais pas. Mais j'arrive pas à poser un seul bout de bois. Ouais, ah bon, ok, c'est juste un bug du four. Ou alors, je sais pas. Oui, c'est un bug du four. C'est obligé. C'est obligé que ce soit un bug du four. Bon, ok. Donc, hop, charbon. On peut bientôt cuire du fer. Et puis, on va avoir notre redstone. Bon, je sais pas quand en vrai. Mais du coup, on va bientôt l'avoir sans doute. Parce que c'est pas si loin que ça en vrai. Donc voilà. Ok, alors c'est parti, on descend tout en bas, voilà, t'aurais de la laine, non. Et désolé pour les bruits que vous pouvez entendre derrière, j'ai pas pu faire ça. Voilà. Donc, voilà, donc, ok, et en plus là j'ai du record vraiment assez tard quand même. Ok, alors là on peut descendre tout en bas. Bon, ça, je crois que l'épisode sera bientôt fini. Ça fait quand même pas mal de temps que je suis en record. Donc voilà, ce sera très bientôt fini. On va remonter là-haut quand même. Et voilà. Donc pour le guide, tout simplement, vous aurez les machines. Hop, voilà. Donc là, ça reprend là où vous en étiez dans l'inventaire. C'est, hop, c'est, voilà, machine tier 1. Et en bas, il y a machine tier 2. Donc bah, vous commencez par les premières. Ensuite, ça se débloque avec des niveaux, le reste. Donc voilà, c'est avec les niveaux que vous avez en jeu ici. Au fur et à mesure qu'on minera, on aura certains items ou non. Donc en vrai, je vais essayer de faire en sorte de gagner de l'XP hors
vidéo pour la majorité du temps. Mais si je le peux pas, bah je ferai des trucs autre chose que par exemple des rushs où je dois trouver tel item par exemple. Donc voilà, donc ok. On a, ouais, tac, ok, donc le fer sera, ok, bon, je vais bientôt vous laisser du coup, donc, ok, merde, ah, putain, ok, charbon, voilà, donc le charbon, en vrai, je sais, ouais, c'est juste dans le four que ça bug, le fait de déposer les items, d'accord, bon, du coup, moi, je dois, ouais, faire une épée quand même, on va pas faire l'épée en fer, parce qu'on va se faire déjà la pioche. Donc, épée en pierre. Voilà. Et voilà, on est bien. Enfin, on est bien. On n'a pas un stuff énorme, mais du coup, pour le moment, au moins, on a de quoi se défendre. Prendre de la bouffe. Sinon, je vais mourir. Et voilà, du coup, dès qu'on tue des animaux, ou dès qu'on mine par exemple, genre... Dès que je mine du charbon, ça donne de l'XP. Et ben cette XP, le nombre d'XP qu'il y aura, ça va être donné en pièces. Donc slash monnaie. Et là, vous pourrez tout simplement faire des autres, je sais plus trop, mais je crois qu'il y a le. Bon, attendez, je vais quand même tuer. Voilà. Je crois qu'il y a le slash AH. Vous pouvez vendre des trucs et tout déjà. Mais je sais pas si j'ai mis des permissions de vendre pour le moment, donc bon, je verrai selon ce qu'il y a comme permission et tout. En plus, sinon vous voyez, regardez-vous tout simplement et à la limite prévenez-moi s'il n'y a pas les permissions de vendre ou les trucs du genre, parce que c'est quand même un peu la base si on gagne des pièces. Voilà, donc est-ce qu'on aurait, non merde, on a perdu l'endroit où on était. On l'a perdu. En vrai, je suis pas doué. Oui, bon, ok. Il faut aussi que je mange. Ah, là, ok. Bon, on l'a pas perdu. C'est bon. C'était une fausse alerte. Donc, voilà. Donc, ok. Mouton. Voilà. Plus, putain, c'est un radin, lui. Une pièce seulement. Et du coup, ça met le message dans le tab. Et puis, en même temps, ici, avec... ce que vous avez tué, et puis si vous avez tué votre ami Robert, ça va mettre tu as tué Robert. Voilà, c'est con. Ça sera con pour vous. Hein, si vous avez tué votre magnifique pet zombie, Robert, bah vous pourrez pas le. Oh! Oh yes, on a déjà l'arc. Oui! On a l'arc! Ouais, et du coup, je vais peut-être me créer la faction, donc F, create. Et bon, je vais juste voir ma monnaie aussi. Ouais, ok, ça va, c'est une monnaie réaliste. Parce qu'en vrai, j'utilise ce compte pour aussi admin et tout. Mais bon, j'ai utilisé le second compte que j'ai. Comme ça, je vais pas gagner de la monnaie et tout. Mais bon, ok, ça va, j'en ai pas énormément non plus. F-Create, on va créer la faction Dark Timus. Ça n'a le nom, oui, le nom ne veut rien dire du tout déjà. N'a aucune signification, n'a aucun rapport à quoi qu'il arrive, à quoi que ce soit en fait. Mais bon, c'est pas grave. Je sais même pas si on peut changer le nom. F name. Oui, on peut. Donc ok. Donc au cas où, on pourra rechanger le nom. C'est juste qu'on a une faction. Voilà. Si je pourrais dire ça. Et en vrai, j'ai oublié de faire slash play, donc là, on va reprendre le four, parce que du coup, on est, et puis je vous ai montré les coordonnées aussi, on est en quelle hauteur, on est en, enfin, non, quelles coordonnées, on n'est pas si loin que ça que du spawn, donc on va tout prendre, et on va se TP plutôt loin, parce que sinon, on va se faire démonter, parce que beaucoup de monde va trouver cet endroit. Sachant qu'il y a les coordonnées qui sont dans la vidéo. Donc, slash play. Et du coup, je viens de penser à un truc intéressant, c'est de mettre juste dans le tab les coordonnées Y où on est. Pas les X et Z. Parce que du coup, avec le plugin de tab, on peut mettre les coordonnées Y. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, je vais mettre à la limite un petit sondage. Est-ce que je mets les coordonnées Y dans le tab?
comme ça, voilà. Ça va pas aider énormément pour les bases, mais au moins vous pourrez avoir quelque chose d'aide pour ceux qui veulent faire des vidéos, par exemple. Vous pourrez avoir de l'aide pour tout simplement vous déplacer et pour miner, en fait. Juste miner en vrai. Mais du coup, comme ça, personne ne pourra savoir où vous êtes. Bon, en vrai, il y aurait quand même le risque de voir la coordonnée Y, mais bon, c'est un risque minime. Donc là, on est assez loin. Bon, je sais pas en quelle coordonnée je suis du tout. Ça se trouve, je suis hyper proche. Ok, bon, bah ça me va. Moi, je suis pas hyper proche non plus. Donc voilà, là, on peut miner. On est tranquille, on est posé. Voilà. Donc, ok. Donc, bon, on se refait rapidement sur le mini-escalier. Et puis je vais vous laisser, parce que ça fait quand même 5 minutes que j'ai dit que j'allais vous laisser en plus. Donc voilà, et en plus ça fait une vidéo assez longue normalement, il me semble. Donc voilà, d'ailleurs j'ai oublié de changer de skin, du coup je vais bientôt le changer. Je dois régène, donc hop, voilà. Donc voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager la vidéo à tous vos amis. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, c'était Largo. Tchuss!